40 ans, deux illustres savants avaient fait le vœu de traverser la matière. Aujourd'hui, ce vœu n'est plus un rêve, car Bukharu Banzai l'a repris à son compte. Au cœur de la matière, Bukharu Banzai a-t-il découvert un autre monde peuplé par des êtres d'une dimension supérieure. Bon, ce que je veux dire, monsieur le président, c'est ne paniquons pas. Donne-moi la formule. Salutations, grand Bukharu Banzai. Je suis John Herzl de la planète. La 8e dimension sur les écrans, le 29 janvier. Si, je t'assure. Le message est très clair. Avant-hier, la révolution a éclaté. Et aujourd'hui, on doit donner l'assaut à la prison pour libérer nos camarades patriotes. Nous sommes combien de patriotes ici? 5. Et jetés au milieu de ces porcs sans dignité. Regarde-les. Ne ressemblent-ils pas à des bêtes? Ah, maudits soient ces Autrichiens.
de Dieu, qui a fait ça? Qui a fait ça? J'ai posé une question. Je voudrais connaître l'enfoiré qui s'est amusé à mes dépens. Alors, c'est qui l'enfant de salaud? Tu nous fais chier avec tes conneries. Ouais, fous-nous la paix. Ça t'amuse, gros là. Et vous deux, ça me fait rire. Oh, vous êtes vraiment un con. Vous auriez voulu faire bouffer à tout ça. Ah, vous êtes tous des fils de pute. Vous avez intérêt à plus masticoter, je veux dormir. Et la situation en ville? Les Autrichiens ont perdu beaucoup de positions. Milan tout entière est en armes. On devra faire très attention au moment de l'assaut. Toute cette vermine ne doit pas sortir d'ici. Révolution, d'accord, mais pas pagaille, pas anarchie. Je sens battre mon cœur à la seule pensée que la liberté de notre peuple est toute proche. Il me semble déjà entendre l'explosion. Ouais, je vais chercher Zampino. Ah non, partez côté, là, il y a les Autrichiens qui passent par derrière. Hein. Il faut des guerres pire tout de suite. Des pétroleurs. Vite, 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 vite. Oh, vous partez la ferme. Allez, allez, allez. Professeur! Oh, salut, Policino. Cainaso. Oh, quel plaisir. Il a ton retard lâché ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est un boulet de canon qui a fait un trou dans le mur. Et Zampino? Oh, Zampino, moi je sais pas ce qu'il fait. On voit plus toutes les semaines. Hé, hey, dépêchez-vous de remballer la marchandise. Hein. On doit la mettre en sûreté, et vite. Vous entendez, les gars? Il faut tout planquer avant l'arrivée de ces foutus patriotes. Ils s'en prennent même à nous. Moi, je comprends pas pourquoi. Mais où je peux le trouver? Ben, c'est lui, mon chef, et il doit me remettre ma part. Lui, il s'en est bien sorti. Et puis c'est moi qui suis allé en tôle. Je t'ai dit qu'on ne voit plus. Ben, crois-moi, depuis le début de la Révolution, il s'est volatilisé. Cainaz, tu te souviens comme il était rusé? Ah ça, oui, alors. Il a coupé la gorge à plus d'un millénaire, lui tout seul, que les deux bourreaux de Radesti réunis. Brave garçon. On dit que maintenant, il est devenu un vrai patriote, une sorte de héros.
petit parrain qui se fait appeler Liberté et qui serait le chef de la révolution. Qui, Zampino? Mais oui, bien sûr. Bon. Mais si. Ne me raconte pas d'histoire à moi. Mais c'est la vérité, un des chefs de la révolution. Ah, tant pis, dis pas ce qu'il veut. Oh, c'est quoi ça? Ah, celui-là. On ne sait pas qui c'est, il est entré ici sans rien dire. Mais toi, je t'avais demandé de ne pas le laisser traîner. T'es idiot, quoi! Oh, je peux pas tout faire. Oh, ben, il a plein de godasses. Tu peux les prendre, professeur? Si ça te fait plaisir, te gêne pas, vas-y. Merci. C'est des bottes de luxe. Je te conseille de prendre le drapeau, ce sera plus sûr et on ne touchera pas. Malheureux, pas celui-là. Pourquoi pas? Donne ça qu'un conscient, c'est le drapeau. Mais, très mais t'es dingue, reste calme. Enfin, j'ai pas fait attention, c'est tout. Non, celui-là non plus, c'est le drapeau suisse. Oh, mais va te foutre, lequel il faut que je prenne, dis-le. C'est lequel, le bon, hein? Lequel c'est, professeur? C'est celui avec du verre dedans, du verre. Avec du verre? Celui-là? Tant pis pour celui-ci. J'aimais bien ces couleurs. Vive l'Italie! Vive la liberté! Mort aux Autrichiens! Vive la révolution! Et où vous allez tous les deux? Thank you.
Comment peut-on discuter avec vous, avec les amis du maire Cassati qui a deux fils, l'un officier de Charles-Albert et l'autre étudiant en Autriche? Et ce n'est pas le seul cas. Les trois quarts d'entre vous ont des enfants ou des parents liés à l'ennemi. Et ne faisons pas semblant d'ignorer que l'un des fils du comte Borromeo est officier chez les Autrichiens. Vous êtes tous des vendus. Mais... Et vous, les républicains, vous faites basculer la ville entière dans le désordre. Vous avez aussi ouvert les geôles et fait sortir tous les prisonniers. Le peuple de Milan ne se fait pas tuer dans les rues pour passer de la domination des Habsbourg à celle de ces malhonnêtes coupe-gorge de Savoie. Le peuple lutte pour la liberté et vous, vous le bernez. Mes enfants, voyons, je vous en prie, c'est le meilleur moyen de... Taisez-vous, vous allez dire des bêtises. Croyez-vous que nous ignorons votre volonté de faire cadeau de Milan après Novo? Vous aussi, vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Ah, si vous raisonnez de la sorte, savez-vous ce que je vous dis? Allez vous faire voir tous autant que vous êtes, c'est clair. Je voudrais bien savoir où sont passés les 40 000 fusils qui devaient être arrivés chez nous. C'est sûrement l'une de vos manœuvres, salopards! La ville est en proie à l'anarchie. Charles-Albert craint à juste titre que tout cela dégénère dans un sens qui ne nous plaît pas du tout. Et la situation ne s'arrangera pas tant que le roi... Le roi, il est un ennemi du peuple. Dites-moi, Turin se trouve à combien? Plus de 100 kilomètres. Et dans quelle direction? À l'ouest. Donc de ce côté-là. Charles-Albert, bat partout. Qu'avez-vous dit? Moi? Mais rien, votre majesté. Ah, je croyais avoir entendu quelqu'un m'appeler. Bon. Que dit notre envoyé spécial à Milan? Eh bien, que la situation empire, oui. Le peuple est en armes, les autorités ont disparu, et puis encore, on parle de socialistes qui montent la population contre votre majesté. L'histoire, cher ami, l'histoire nous donnera raison. N'envoyez aucune aide et formez plutôt un corps de volontaires turinois. Milan me plaît de moins en moins. J'ai pas bien compris ce que disaient ces gens. En tout cas, ils avaient pas l'air d'accord. Ignorant. Il s'agit de discussion. La libre discussion. En somme, la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? C'est que tout le monde est libre de comprendre. Et toi, même si t'es bête, t'as le droit de dire ce que tu penses. Ah, c'est bien. Hein? Mais ceux qui étaient à l'intérieur, ils ont parlé et nous rien. Alors c'est ça, la démocratie, hein? Mais t'as rien compris du tout. Toi, tu sais de quoi parler en ce moment, tu parles d'anarchie. Et ça, c'est autre chose. L'anarchie, c'est quand tout le monde parle en même temps et que personne ne comprend rien à rien.
La démocratie, par contre... Oui, la démocratie, après des siècles et des siècles de dictature, de monarchie, d'oligarchie... Écoute-moi, est-ce que t'es sûr que mon ami Liberté a bien été sur les barricades? Et comment? Tandis que les autres s'écoutent parler, ton ami Liberté a pris le commandement et il court ici et là, monté sur un cheval blanc. Non, c'est parce qu'on était un peu associés. Associés? Et comment ça? Ben, notre rayon, c'était les serrures. Donc, avant qu'éclate cette espèce de... Enfin, cette histoire de révolution, quoi, ce gars-là s'appelait pas Liberté. Ce qui fait que je sais pas si on parle du même gars. C'est un homme généreux et courageux. Qualité que nous possédons, nous aussi. Hé hey! Les Autrichiens nous bombardent! Tiens, je croyais que... Généreux, courageux... Qui a dit courageux? Qui est là? Sois maudit à jamais. Mais t'es complètement faux. Qu'est-ce que tu vas faire? T'avais bien perdu la parole. Je te l'ai rendue. Tu voulais me rendre la parole à coups de bâton? C'est la meilleure. Ignorance d'un ignorant. Tu sais pas que la peur part avec la peur, hein? Non, j'en savais rien. Dans mon pays, tu sais ce qu'on dit? Que la peur entre par la bouche. Et qu'elle ressort. Oui, t'as raison. Oh. Ben, je crois que je peux dire que t'as été très bon pour moi. Je m'appelle Marty Coliromolo. Attends. T'es de Rome, toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais à Milan? Je travaille au four de la... Au four de mon oncle. Ça fait longtemps qu'il habite ici, mais avant, il était dans le Nord. Il y a quelques mois de ça, il a écrit à ma mère... Parce qu'il y avait du travail pour moi. Il voulait bien me prendre comme mitron dans sa boulangerie. Alors ma mère a dit oui, je suis arrivé ici. Pour le reste, tu connais. Ouais, je connais. Ça fait 2 heures que tu me l'as. Et toi, Gorgonzono? Kenazzo. Je m'appelle Kenazzo. D'accord. Excuse-moi, et toi, d'où est-ce que tu viens? De Tôle. Attends, tu te sens bien? Parce que moi, tu sais, je n'ai que les yeux pour pleurer. C'est vrai, Corazzonio? Kenazzo. Ah, t'énerve pas, je suis pas en exercice. Eh ben, j'aime mieux ça. Des amitiés les plus... Qui te parle d'amitié longue ou courte, hein? Personne ne t'a rien demandé. Oh, si tu le prends sur ce ton... Mais je prends sur le ton que je veux. Oh, tout doux. Oh, écoute un peu, là. Moi? Est-ce que t'es mon frère? Non. Et mon cousin? Non. Bah, peut-être que t'es mon père. Ah, non. Alors, pourquoi tu me traînes au cul? Pourquoi t'es derrière? Pourquoi tu me colles au train, en fait? Qu'est-ce que tu fous derrière moi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui es toujours devant. Oh, bonté. Ne suis pas partout, t'as vu comment t'es attifé, tu me fais honte, les gens se retournent sur toi. Ben, qu'est-ce que j'ai? Il y a que t'es ridicule. Ridicule? Ben, comment ça? C'est un habit, Kozinov.
Romano, nos routes se divisent, moi je vais par là. Ah ben, quelle coïncidence, c'est justement mon chemin. Je t'accompagne, va. Dépêchez-vous un peu, les chandeliers, vous faites attention. Est-ce que vous faites voyons, mettez-vous. Regardez, mais regarde où tu mets les pieds, toi. Oh, encore deux autres, merveilleux, merveilleux. C'est gentil à vous de venir nous aider à construire la barricade. Et que vive à jamais l'Italie. Comtesse Rioni, regardez comme ça est beau, un véritable chef-d'œuvre de barricade. D'ici peu va arriver le peintre Varni qui l'immortalisera sur une toile. Bravo, Guarnocci. Je vous ramène deux volontaires. Quels sont vos noms? À tout à l'heure, comtesse. Alors, vous allez monter au premier étage et prendre au salon un très joli divan recouvert tout en satin. Il est en quoi, le divan? Ah, non, mais vous êtes tous deux ignorants. C'est un grand divan tout blanc. Allez, hop, allez. Pressez-vous, vite, allez, que ça saute. Non, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, vite, allez, travaillez. Ah, là, c'est vraiment quel calvaire. Ah, non, mais on te voit derrière. Oh, que c'est beau. Oh. Bon, allez, l'échelle, dépêchez-vous un peu, hein. Ah, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Tu me fais honte partout. Allez, vite, la table ici, là, oui, le fauteuil à côté. Non, dans l'autre sens, non, vous continuez, allez, je passe. Là, mettez-les vite, là, bon, je vais. Oh, bravo, mais non, pas ici, là, hé, allez, vous allez mettre là-bas. Non, mais vous êtes sourds, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, hé, vous savez où se trouve la place? Vite, vous savez, ils s'enfuient comme les voleurs. Ah, excuse-moi. Kaina, tu sais, ils font ça, cette chose, comme on dit, révolution. C'est pour un truc qui s'appelle Démocrama, c'est pour une histoire qui se termine en si. C'est pour la liberté de la presse. Ça t'intéresse, la liberté de la presse, toi? Non, rien. Kaina, je suis un alphabète. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Aidez-moi, je crois que je suis sur le point d'accoucher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile? J'habite dans cette maison, mais j'arrive pas à monter l'escalier. Vous gardez votre sang-froid, ça va aller tout seul. C'est pas là, j'ai pas idée de coucher. Un petit méfaut. Attends, on va vous aider, mais il faut marcher. Allez, en tout cas, allez, vous là. C'est normal, les douleurs. Attends, mais qu'est-ce que j'ai trébuché, Lyomane? Faire gaffe, merde. Allez, je te dis, juste en dessous, soulève. Attends, je suis pas prête. Allez, vas-y. Je vais savoir une petite chose. Vous habitez à quel étage, si c'est pas indiscret? Le dernier. Il va falloir qu'on s'organise. On va la porter. Prends la barre en dessous, là. Oui. Non, ça sera plus facile comme ça. Soulève-lui les jambes. Les mains sur les épaules. Madame, retenez-vous. Qu'est-ce que t'as? Elle m'a pissé sur la figure, voilà. Oh, bon. Mais non, j'ai perdu les os. Je viens de perdre les os. Tu sais ce que c'est, toi, les os? Avant, je le sais. J'aurais mieux fait de rester là où j'étais, au moins c'était tranquille. Eh ben non, j'avais rien demandé à personne et voilà en première ligne pour un accouchement. Oh mon Dieu! Oh! Oh!
te signale que la baraque est vide. Comment ça, vide? Il n'y a plus personne ici, c'est le désert. Mais alors, on est tout seul? Ah oui, ils se sont tous enfuis parce qu'il était arrivé les Autrichiens. Mais votre mari, où il est? Il est allé à Lénian. Il devait rentrer et je suis restée toute seule. Ah! Oh, je suis en train de le faire. Aidez-moi! Nous? Oh, pour l'amour du ciel, je vous en prie. Aidez cette créature à venir au monde. Mais ah! Soyez raisonnable. Ah! Nous, on n'est pas du tout du métier. Oh! Hein, Romolo? Non. Vous pouvez pas me laisser seule, pour l'amour de Dieu! Oh, oh! Bah voyons, tout ça n'est pas bien grave, en fait. Ce n'est qu'un simple accouchement. Oh, oh, oh. Bon, on va vite aller chercher quelqu'un d'autre. Oui, peut-être une femme. Non, aidez-moi! Par charité! Ne me laissez pas seule! Non! Non! Non, ne me laissez pas seule! Ah! Ah, vous me faites mourir! Aidez-moi, au secours! Ne partez pas! Comment faire pour l'aider? Enfin, moi, j'y connais rien, là-dedans. Ah, moi, c'est pareil. Ah, ah, ne me laissez pas mourir! Tu veux que je te dise? Je crois qu'elle exagère. Ah, 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 oh non, non. Non, on a très bien fait. Très bien fait de partir. Oui, ça, j'en suis sûr. Madame, écoutez, il faudra tout nous dire parce que... Ah, parce que c'est vrai, nous, on n'y connaît franchement rien. Alors, mettez tout de suite de l'eau à bouillir et préparez du linge propre. Faites-en bouillir beaucoup, on y mettra la paire de ciseaux qui nous servira à la fin pour couper le cordon. Oui, il le faudra. Ah, dépêchez-vous de faire chauffer l'eau. Vite, je sens que ça va arriver. Mais non, par là. Me mettre en position.
J'y vais. J'y vais. Oh! Excusez-moi. Minute, attends un peu. Ça va venir. Encore. Bien. Un moment. Non! Pas là! Pas derrière! Quoi? Pas derrière? Vous allez trop loin, faites attention! N'ayez crainte! C'est l'émotion, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé. Excusez-moi. Il faut que j'y regarde de près. Vas-y, t'en es sûr? Je vais y mettre la main par sécurité. Ah, ah. Ça va? C'est bien. Quelle affaire, quel boulot. C'est bouillant, t'aurais pu lui poser. Kenya, j'en vois quelque chose. Ça y est, presque, aide-moi. Soyez courageuse, c'est bientôt terminé. Poussez, poussez encore un petit peu. Allez, c'est bien. C'est une poussée, une dernière fois. Ah, c'est un garçon, une fille. À mon avis, c'est un garçon. Ça doit être plus pauvre de son père qui est parti. Merci. Oh, comme j'ai souffert. Je promets à la Vierge Marie que, plutôt que de revivre une expérience comme ça, je préfère me coudre. Où ils sont tous? Il n'y a plus un chat ici. Tania, Tania, tu veux que je te dise une bonne chose? Kenyadzo, je m'appelle Kenyadzo et pas Kanyadza ou Karazo ou Karatsi. Je m'appelle Kenyadzo, t'as pigé? Répète avec moi. Kenyadzo, 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 Kenyadzo. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Mais j'en sais rien, moi. Quelle question? Kenyadzo, c'est mon nom? Ben, c'est pas de ma faute à moi si t'as un nom ridicule. Ah, il est ridicule! Ah, je suis ridicule! Mais non, voyons! L'espèce d'andouille à grosse tête du sud! L'espèce d'andouille à grosse tête ici, c'est toi! Mais non, non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Aïe! Tu me fais mal! Aïe! Ah, pas la tête! Pas la tête! T'en profites parce que t'es plus fort que moi. C'est facile d'abuser de sa force. Les Milanais. Non, les Autrichiens. Mamma mia, les Autrichiens! Oh, la barricade de la comtesse. Ah, mais il n'y a plus personne. Et non, tout le monde est parti. C'est le vrai désert. Hey. Hey.
qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai rien dit. Alors, qui a parlé, tu peux me le dire? Eh, vous deux. Vous deux. Quels deux? On est deux, non? Ah oui, c'est vrai. Baissez-vous. Pourquoi? Baissez-vous, je vous dis. On peut bien l'écouter, on s'en fiche. Alors, vous y arrivez, oui. Voilà, voilà, ça vient. À genoux. Ah, doucement. Chose que tu sois capable de faire avec de la volonté et à part le pain, c'est de me regarder. Mais t'as vu tout ce que tu as vu? Quel est l'imbécile qui a changé de fusil pour le type est-ce qu'il a voulu? Qui a fait ça? Lui! Ah, c'est vrai, je l'ai vu moi aussi. Madame la comtesse, le thé. Merci, Mariano. En avant pour la liberté! Faites reculer ces chiens! Zampino! Kenazo! Zampino, attention! Quelle misère! Quel bordel! Mais qui il est? C'est Zampino, mon ami de toujours! Comprendre.
emmenez-vous? Chaque noble association est composée des personnes suivantes. Premièrement, le chef, c'est celui qui a les idées. Deuxièmement, le faucheur, c'est celui qui vole. Et troisièmement, la brute, c'est celui qui cogne. Et quatre, c'est celui qui court vite et qui emporte le butin. Le dernier, c'est celui qui fait le guet pour les autres. Oui. Donc, comme on n'est que deux, on est obligé de partager les rôles. Tu choisis quoi? Je choisis... Oui. Je sais pas du tout, moi, je sais rien faire. Bon, on va faire comme ça. Hein. Alors, moi, je serai le chef. Hein? Je serai aussi le voleur. C'est celui qui court. Et puis la brute. Et celui qui fait le guet. Eh, hey, tu pourrais m'écouter quand je te parle. Sinon, on n'y arrivera jamais. Écoute, quelqu'un vient. Qui? Oh! Eh, hey, c'est toi, Sganefino! C'est ce Sganefino! Oh, Canaccio, j'ai beaucoup! Tout ça? Ah, une grande maison là-bas, on a tout pris, reste rien! Ça, c'est le dernier chargement! C'est vrai, il reste plus rien? Ah, vas-y voir à tout hasard, mais fais vite! Hein. Ah, il me plaît, la révolution! Oh mon Dieu, comme il est fort! Allez, viens, allons-y! Oh, on voit rien là-dedans. Laisse-moi regarder. Oh, mais c'est ouvert, je m'étais trompé, excuse-moi, Kenna. Vas-y, passe. Kenna,
Et qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est pas mal. Elle a les manches courtes. J'ai pris le premier truc que j'ai trouvé. Je vais en chercher d'autres. Ah, elle va se tomber. Kenna, j'ai une de ces frousses. Pourquoi on s'en va pas? Oh, mon joli. Si tu veux rester associé avec moi, il faut te réveiller. C'est pas possible, un voleur qui a peur dans l'obscurité. Un coup de... Mais qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre de te voir toujours coller à moi. Mais j'ai peur d'attraper un coup. Oh, c'est pas vrai. Mais tu vois pourtant bien qu'il n'y a personne dans la maison, alors tu crains rien. Marticoli Romolo, enchanté. Ah, enchanté. Mais qu'est-ce que tu fais hein? Tu parles tout seul maintenant? Non. Non? Alors, tu parles avec qui? Avec qui? Oh là, oh, enchanté. Qui sont ces gens? Vous savez, si on est là, c'est seulement par pur hasard. Nous, on n'a pas l'intention, c'est vrai, hein? Non, 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 on veut rien du tout. Je suis désolée pour vous, mais désormais dans cette maison, il n'y a plus rien. Cet enfant et ma petite nièce, elle est, comment dire, un peu étrange. On ne le dirait vraiment pas, vous savez. Bonsoir, mademoiselle. Messieurs, je vous en prie, installez-vous confortablement. Je vais être fatiguée. J'imagine que vous avez vécu de glorieuses et mémorables journées avec cette insurrection. Oh, oui, on est patriotes. Vive l'Italie, vive Pinot, vive Charles Albert, notre sauveur à tous. Oh, non, mais arrête ça, qu'est-ce qui me fait mal? Elle est très jolie. Oh, oui, je l'aime bien, mais elle me fatigue. Dites-moi, j'aimerais savoir que pensez-vous que le peuple va gagner à la fin de cette glorieuse, tricolore et dangereuse épopée? La liberté de la presse. Et pour cela, vous êtes prêt à risquer tous les jours votre vie? Oh, mais c'est incroyable! De vous à moi, qu'est-ce qu'ils ont donc dans la cervelle? Ceux qui, aujourd'hui, par simple envie de pouvoir et surtout de nouvelles richesses, veulent chasser de Milan les Autrichiens qui, pour leurs entreprises, font appel aux gens du peuple. Et vous? Pauvres débiles, vous vous faites tuer pour eux. Parce que vous êtes des naïfs. Vous espérez vivre mieux après. Alors qu'en fait, vous n'aurez rien, rien du tout. Il a raison. Tout ce merdier, alors. Ouais, tout ce merdier. Elle est tombée. Et dis-moi, tu ne t'es pas fait trop mal? Ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour les riches, les vrais ennemis, c'est vous. Avec les autres, c'est tout simplement un problème de partage du gâteau. Et d'une manière ou d'une autre, ils vous écraseront. À la condition, bien sûr, que vous sauviez votre nom, votre poil. Amen. Lève-toi, on s'en va. La leçon est finie. Peut-être un jour réussirez-vous à gagner en leur faisant payer cher. Mais il faudra encore beaucoup de temps avant que ne vienne ce jour. Il vous faudra faire bien du chemin. Votre sainteté, la situation est très compliquée. Il paraît que la ville n'a plus que 2 jours de vivre. Elle est complètement assiégée par les Autrichiens. Et notre clergé, mon fils? Il se tient à côté du peuple, votre sainteté. Nous sommes préoccupés. Nous ne pensions pas que la Lombardie et la Vénétie finiraient entre les mains de ce syphilitique de Charles Albert. Oh,
J'aurais préféré une république. Mais votre sainteté, les républicains sont des athées. Cher Prandini, avec les sans-dieux, on peut quand même discuter, mais avec les autres, ils n'ont que Pie-IX dans la bouche. Que dit le colonel Dugeli? Que les Autrichiens vont se retirer. Ce n'est qu'une question d'heure. Bien. Transmettez un message au comité de Milan, à notre cher ami Casati, qu'il mette de l'ordre dans la ville et qu'il arrête de donner des armes en veux-tu en voilà à n'importe qui. J'ai décidé de ne pas entrer à Milan. Je ne veux pas précipiter mes troupes dans le chaos anarchique. Et qu'enfin Gattano et Cermucci soient mis de côté. Bien, sire. Et alors, l'Italie s'est réveillée, et vous? Qu'est-ce que vous faites? Ben, on dormait un brin. Oui, mais un brin, un petit brin. Je suis le baron Transutto. Ah, enchanté, moi je suis Martin. Non, pas de présentation, nous sommes en guerre, vous le savez, non? Oui, je forme un corps de volontaires pour combattre sous mes ordres. Vous me paraissez costaud. Unissons-nous. Vous nous demandez si on Comment? Veut... Vous nous demandez si on est bien... Quoi donc? Enfin, non, écoutez, c'est-à-dire... Comment? Ben, je veux dire que... Oui. Ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que... Affaire. Non, rien, nous... Quand? M'excellence, laissez-moi parler. On n'a plus le temps de parler. Il y a des choses plus importantes à faire, c'est désormais le moment d'agir. Aucune lâcheté n'est permise quand la patrie appelle. Unissez-vous à notre corps. Glorieuse cohorte en avant, suivez toujours votre chef. La gloire vous attend tous... et immortel. Ah, mais ne m'appelez plus Excellence. Ici, chers amis, nous sommes tous frères. Appelez-moi Monsieur le Baron. Il tambour, la tromba suoni, noi sui campi marcheremo, mille più. Mais t'as compris, toi? De quoi? Je dis, est-ce que tu as compris ce que nous a dit le chef? Non. Mais pourquoi tu veux toujours comprendre? Et pourquoi est-ce que j'essayerais pas de comprendre, hein? Eh non! Ils en savent bien trop pour nous. Tu t'imagines, toi, te mettre à discuter avec un de ces messieurs et lui dire « Vous savez, vous faites erreur. » Qu'arriverait-il, d'après toi? Je sais pas, qu'est-ce qui arriverait, moi? Est-ce que tu peux être ignorant? Il arriverait que ce serait plus de messieurs et qu'un miséreux comme toi serait capable de discuter ferme avec eux, alors tout basculerait, t'entends? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, eux, ils parlent leur propre langue, une langue de messieurs que toi, tu peux pas comprendre parce que t'es trop bête. Et quand eux te parlent, tu dois toujours répondre oui. T'en es sûr? Ah. Le monde est ainsi, Romanino. Et maintenant, allons voir en personne le vrai visage de la révolution. Je suis plein de curiosité. J'ai pas réussi à coincer cette chaîne de vis, je te jure.
Vive l'Italie libre! Surintendant Kraus ayant donné l'ordre de se rendre, les Autrichiens ont présenté le drapeau blanc. Mais c'était une ruse. Et beaucoup de Milanais furent égorgés les uns après les autres.
Ah, mon valeureux ami, sais-tu où est ton copain du Sud? Non. 75, nous vengerons bientôt ton preux compagnon. Et nous vengerons aussi tous les citoyens sauvagement tués par les armes autrichiennes. Et nous, qu'avons-nous fait aux prisonniers? Qu'est-ce que tu racontes? On est en guerre, mon cher patriote. Oui. En avant. Allons conquérir d'autres lauriers. Oui, on a raison. Allez, allez, suivons-le. Allons conquérir d'autres lauriers. Avez-vous entendu l'ordre de votre chef? Tricolori, tricolori, l'Italien cantando va, et cantando. Je suis désolé, c'était ton ami. Pauvre type, il voulait seulement rentrer à Rome chez sa mère. Que se passe-t-il? C'est notre héros, monsieur. Il est mourant, il a été touché hier par ces sales Autrichiens. Brave nouvelle. Dites-moi, mon brave, quelle était dans la vie la discipline qu'exerçait l'héroïque Benedetti? Hein? Ah, quel métier faisait-il? Il était porteur. 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 Un humble et misérable porteur. Je crois que ce jeune citoyen, Canazzo, est le démenti vivant de ceux qui affirment que les héros ne peuvent pas venir du peuple le plus misérable. N'est-ce pas, comte? Justement. Ce sont eux les héros de notre histoire. Bravo. Allons lui rendre les derniers honneurs. Grand patriote. Ces dernières paroles ont été « Vive notre belle et grande Italie ». En réalité, moi j'ai entendu... Je ne voudrais pas te contredire, citoyen, mais il m'a plutôt semblé l'entendre dire « Je meurs, adieu à tous ». Pardonnez-moi, mes chers enfants, mais je crois que vous vous trompez tous. J'étais plus près que vous et j'ai entendu de façon très distincte « Vive Pinoff !» Non, lui, il a dit que... comment il aurait pu dire « Vive Pinoff » Pensez que Benedetti, qui était républicain, aurait prononcé ce genre de choses? Vous mettez le doigt dans l'œil, je l'ai entendu très clairement, moi. Il a dit seulement deux mots, « Autriche Jagnard !» Mais comment t'aurais fait pour entendre ça? T'étais trop loin. T'es un sale menteur. Calme, hein? Je sais ce qu'il a dit. Alors, vas-y. Parce que j'avais, je crois, la meilleure place pour entendre. J'étais tout près de son lit. Et je l'ai entendu dire clairement... Excusez, mais je suis obligé de parler. Benedetti a murmuré ceci. Les seigneurs au poteau et Milan aux Milanais. Hey, toi, je suis sûr que tu sais ce qu'il a dit Benedetti avant de mourir. Ouais, j'ai bien entendu. Il a dit d'aller tous se faire enculer. Ah, j'avais bien compris. Vorrei farne dei bottoni per la giubba del suo re. Io vorrei...
Tu sens pas comme une odeur de cuisine? T'as raison, ouais. Merde. Fait de... peuple. La... nez. Nez. Milanais. Alors, c'est bon. Allons-y, mon Dieu. Vous venez pour la fête? Oui. Très bien. Bon. Non, pas toi. Tu es trop sale et mal habillé. Sainte Vierge, tu ressembles à un cochon. Va-t'en. Allez! Salut. Salut. Tu te décides? Viens. J'y pense. On y mange bien, cette fête? Bien sûr que oui. Sinon, qu'est-ce que tu feras ici? De revenir en arrière, je vous le dis franchement. Mais quand son chalut va-t-il cesser? Qu'est-ce qu'il a dans la tête, Potter? Mes enfants, je vous en prie, n'oubliez pas que nous sommes réunis ici pour nous mettre d'accord. Mais comment? Comment trouver un accord si la situation risque de nous échapper? Bien dit, Chabon. Je crois comprendre dans vos propos que ma présence est parfaitement inutile. Oh, arrêtez un peu. Vous n'en avez pas assez de toujours parler politique, messieurs. Vous soyez intéressants, ma chérie. Mais si je vous le dis, je l'ai vu de mes yeux, elle était avec Marinko. Ils sont sortis d'un carrossé quand elle m'a aperçu. On aurait dit qu'elle avait avalé une couleur. Elle s'est mise à rougir, elle ne savait plus où se mettre.
Eh bien, pour quelqu'un qui faisait toujours la morale. Oui, tu penses. Quand on pense à l'âge qu'a Maringo, il a 20 ans moins qu'elle, un vrai bébé. Je ne sais pas ce que tout cela va donner. Êtes-vous vraiment certain d'en sortir vainqueur? Vous me semblez bien pessimiste, colonel. Il est à mon avis important de changer le cours de l'histoire. Oh, merci, merci pour ce merveilleux cadeau. Ah. C'est inadmissible. Désirez-vous autre chose, monseigneur? Non. Donnez-nous le temps de réfléchir. Vous avez une robe merveilleuse. Ah, merci, c'est vrai, elle est très jolie. Oh, vous savez, elle est juste arrivée de Paris, un miracle. Oui, juste la veille de l'insurrection. Oh. Soyons réalistes, l'empereur a été... Et c'est vrai qu'on l'a retrouvée dans une meule de foin. Oh. Qui c'est celui-là? Je ne l'ai jamais vu. Misérable! Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment oses-tu critiquer le comité de guerre qui nous guide dans la révolution? Mais j'ai dit qu'il nous assassinait et qu'on devait les mépriser. Donnez une leçon à cette canaille, à ce fauteur de troubles. Kenazzo! Oh, Kenazzo! Kena! Ah, Romolo! Ah, c'est toi, t'es vivant! Regarde-moi ça un peu. Ils t'ont bien arrangé, t'es bosselé comme une vieille casserole. Sauve-toi! Les Autrichiens arrivent! Quels Autrichiens? C'est moi qui ai crié ça. Allez, viens, je vais t'aider. Doucement. Allez, lève-toi! Voilà, ça y est! Vraiment me tuer? Kena, je crois qu'il avait bien raison, cette espèce de gros plein de soupe, de dire que les seigneurs sont pires encore que nos ennemis. Obéissance et silence. Comme ça, on laisse croire que tout va bien. Mais si tu ouvres la bouche, alors c'est là que pleuvent les coups. Toi, t'étais pas mort? Et c'est grâce à la Vierge Marie. J'ai rien compris. Quand je suis revenu à moi plus tard, je t'ai cherché, mais il n'y avait plus ni toi ni le chef. Il y avait seulement des morts. Beaucoup de morts, oh Dieu Jésus. Kena, il faut trouver une solution pour filer. Moi, j'y tiens plus, sans compter qu'on mange jamais. Hé hey. Mais... Mais c'est Zampino! Viens, cette fois, il ne nous échappera pas. Attends-moi. Oh, deux jours sans manger, j'en peux plus, c'est plus vite, tout ça. T'as raison. Attends-moi. Par ici. Mais Kenazzo, attends. Kenazzo. Aïe, 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 est-ce que j'ai mal? J'ai mal. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris un coup. Aïe, quel coup? Ah, fais voir. Aïe, quel coup, mon Dieu. Mais t'as rien du tout. Aïe!
Il y a un pendu là-haut. Ah, je suis tombé dessus. Oh, ça porte malheur. Tiens, mais c'est elle, je la reconnais, c'est la femme du traître. Ça m'étonne qu'on l'ait laissée là sans rien lui faire. Oui, ça me paraît curieux. Mais arrête de chialer, ton mari était un chien des sbires, espion des Autrichiens. Arrête de chialer. C'est une injustice. Elle aussi doit payer. D'accord? Emmène-la d'ici, Romolo. Nous allons nous en charger. Viens là. Et discute pas, t'entends? Suis-moi. Écoutez, on va s'en charger. Elle sera punie sévèrement. Eh bien, n'oppose pas de résistance, c'est inutile. Inutile. Faites semblant de rien, madame. Pauvre Armand. Je n'ai même pas compris pourquoi on l'a tué. Je ne savais pas qu'il faisait ces choses-là. C'était un chien d'espion. Calmez-vous, madame. Il faut savoir supporter sa douleur. Ah, dites plutôt où vous habitez. Bon, allons-y. Venez à la maison. Vous pouvez vous arrêter un instant. Non, ne vous dérangez pas. Et puis, on a affaire. Oh, je veux vous offrir quelque chose à manger. Ah. Hein? J'ai aussi du vin. Venez. Je vous en prie. Si vous insistez, on veut bien. Hein? Mais venez, entrez donc. C'est pas la peine. On va toujours manger. C'est du fromage? Bien. Oui, asseyez-vous, messieurs. Oh, j'en prendrai un petit bout, juste pour... y goûter. Oh, excusez-moi, je voulais en prendre seulement un petit morceau et tout est venu à la fois. C'est rien, mangez donc. Oui. Et ne vous en faites pas. Merci. Je pourrais en avoir, moi aussi. Oui, allez-y. Merci. C'est vraiment très bon, hein. Moi aussi, j'ai eu un bon... Moi, je n'avais pas de bonne manière. C'est vrai, bien sûr, hein. Mangez. Je le mange. Allez. Alors. C'est bon, non? Ça va mieux? Ouais. Et le vin, alors? Il vous plaît aussi? Ouais. Je vais en prendre un verre. Mon pauvre Armandino. Allez le chercher chaque semaine à Castelgio. Vin très pur, chaud, délicat. C'est un vrai connaisseur, ce traître. Hein? Ah, moi, je voulais dire le cadavre. Enfin, comment il s'appelle? Tais-toi. Que tu as un peu de respect. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Du calme, madame. Venez par ici. Est-il possible de vivre une pareille vie? Là, doucement. Faites attention, madame. Madame, n'oubliez pas surtout que votre mari nous regarde là-haut. Vous entendez? Ne vous démoralisez pas. Ce sont des paroles. Je ne suis qu'une pauvre veuve, complètement seule. Mais pensez que... je suis seule aussi. Et Kenyatso est dans le même cas. Vrai ou faux? Ouais, ouais. On est seuls tous les deux. Vous voyez? C'est beau. Je suis jeune et fort. Moi? Mais
oui, tu es un très beau garçon. T'as entendu ça? Ne me fais pas rire, je t'en supplie. Excusez-moi un moment. Je me sens subitement tout en nage. Ça a été une telle journée. Et qu'est-ce qu'on fait? Mange un peu. Ah oui. On mange un peu, on boit un peu, on mange un peu. Oh, la pauvre fille seule. C'est un grand malheur pour elle. Elle est si jolie. Beau téton. Belle paire de fesses. Regarde. Et c'est celui-là, le grand-père? Celui-là, c'est le pauvre Armandino. Mais pourquoi je dis toujours des conneries? C'est plus fort que moi. Vous permettez, madame? Moi, je trouve qu'il a belle allure et qu'il fait jeune. Ouais, non, c'est pas vraiment le cas. Il avait presque 60 ans, ce pauvre Armandino. Mais il était encore assez... assez... comment dit-on, déjà? Comment dit-on? Bandant. Oh, on dit bandant. Oh. Oh, excusez-moi, je voulais dire fort, je suis désolée. Très exactement, il était fort, c'est ça. Enfin, encore assez. Je veux dire... parfois, il lui arrivait d'être assez vigoureux et... Et des fois, je ne manquais de rien. Mais comment dit-on? Je ne me souviens pas du mot. Comment on dit? J'en sais rien. Oui, on dit... Et comment le dire, hein? Mais tu n'es pas de Milan, toi. D'où es-tu? Vous avez raison, je suis de Rome, exactement. Ah, oh, assieds-toi un peu. Ah, la ville éternelle, quelle beauté. Oh, comme j'aimerais la visiter. Les monuments, les églises, le pape. Et le pape, tu le connais. Vous voulez rire? Tous les deux, on est comme tu et chemise. Oh, alors... que tu sois béni, que tu sois béni. C'est gentil, merci. Ici, on est vraiment très bien. Oui, t'es d'accord avec moi, Kaina? Vous savez, dans la vie, je suis boulanger. Oh, vraiment? Oui. Vous savez faire le pain? J'en non. étais sûre. Madame, les gens ne peuvent pas s'imaginer combien le métier de boulanger est exténuant. Oh. Vous savez combien de qualités de pain il existe? Non. Plus de 100. Oh. Je les connais toutes. Oh, bravo. Il y a de la miche, de la bonne grosse miche, du pain au sang et du pain à l'huile et du pain complet, du pain de seigle et au levain. Et du pain au noir. Et du pain de mie, du brioche, du pain au froment, des biscottes. Du pain de campagne. Oh oui, oh le petit pain, le petit pain. Oh le bâtard. Oh je prends. Qu'est-ce que tu fais? Je dois m'en aller. Je retourne chez moi. Mais je veux pas le réveiller. Pourquoi tu t'en vas? T'es pas bien ici? Oh, si, si. Mais je dois partir. Tu le lui diras? Je ne veux pas qu'il pense que je l'ai quitté. Je trouve qu'il est très bien avec toi. Il doit rester. Dehors, il y a du danger. Et lui est naïf. Et puis, je veux pas continuer à le traîner. C'est...
C'est un brave garçon. Tu lui diras en douceur, hein? Oui. Oui. Merci. C'est de quel côté pour sortir de Milan? Par là, vers la porte magenta. Ah, merci. C'est bourré d'Autrichiens, hein? Merci! Il est fou, ce type, hein? Un sort identique. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est pas la guerre, c'est la révolution. Ceux qui se rebellent comme nous ne sont pas faits prisonniers. Les Autrichiens les tuent parce que pour eux, ce sont des traîtres. Mais je suis même pas patriote. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Je suis même pas milanais. Ah, oh, et d'où tu viens? Oh, j'en sais rien, moi. De toute façon, c'est une erreur. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? Excellence, je crois que vous avez fait une erreur. J'ai rien à voir avec ces gens. Je dois rentrer chez moi et j'ai été obligé de passer par cette porte. Ah, vous l'avez fait ! Ah ben, c'est un gars qui plaisante pas. Je te l'avais dit. C'est inutile. Mais j'y suis pour rien dans vos histoires. Quand ils nous emmèneront là-bas, on y va tous au moins une fois, ce sera le moment de leur raconter ta vie, c'est le tribunal. Le tribunal? Ah, une façon de parler. Bien sûr que je leur raconterai. Et ils seront bien obligés de me croire parce que je suis extérieur à tout ça. Mais t'as pas peur, toi? Ouais. Si. Mais pourquoi je leur donnerais satisfaction, hein? Comme étant si belle. C'est mieux de leur rire à la figure. Vous êtes des porcs, vous entendez? Salut! Salut, l'ami! Komdomitsch! Ouais, oui, j'arrive, n'ayez crainte, je vais pas me sauver avec ça. Vorwärts. Schneller mit dir. Rein! Rein mit dir. Comment tu t'appelles? Keinazo. Vous autres sortez. Vous reviendrez quand je vous le dirai. Votre honneur, en ma qualité d'accusé, je dois vous expliquer que je suis victime d'une erreur judiciaire. Je voulais rentrer chez moi, je suis pas un patriote. Je sais très bien que tu n'es pas un patriote. T'es juste un voleur. N'est-ce pas, Quetzal? Zampino! Chienne de vie! Mais c'est bien toi! Eh oui, c'est moi en personne. Toujours en difficulté? Allez, viens. Ah, merci beaucoup. Tu sais, je t'ai cherché partout et te voilà installé ici. Et moi qui t'appelais votre honneur.
À propos, qu'est-ce que tu fais avec tous ces Autrichiens? Mais tu le vois bien, je suis avec eux. Mais tu... J'ai entendu dire que c'était toi, Liberté. Que t'étais un héros. Je savais que ce héros-là, c'était un autre. Non, tu ne savais rien du tout, Kenad. C'était bien moi, Liberté. Je le faisais exprès. J'ai toujours, depuis le début, travaillé pour les Autrichiens. Si tu voyais l'argent qu'on me donne, c'est à en perdre la tête. Mais alors, t'es un traître? Ces paroles-là ne me plaisent pas. Disons que je joue un double jeu. Un beau jeu. Tous ceux qui sortent d'ici, tu les fais fusiller. Mais quelle importance, ce sont tes amis? Non. T'es un patriote, toi? Alors? Tu n'as donc pas compris que cette insurrection, pour des gens comme nous, ne nous regarde pas. C'est une histoire entre eux. Les seigneurs autrichiens, les piémontais et les milanais. La seule chose à faire, si t'es assez malin, c'est d'essayer de rentrer chez toi avec beaucoup d'argent. Et c'est ce que je fais. Oui, mais ceux qui sont dehors, qui se battent et qui meurent, c'est pas tous des seigneurs. Je les ai vus. Ils se font tous des illusions. Tu sais, c'est un secret. Hein. Cette nuit, les Autrichiens, ils s'en vont. Viendront avec moi? Non, je peux pas. Et puis, je parle pas allemand, tu le sais bien, Zampino. Ne m'appelle pas Zampino. Réfléchis. Si tu veux venir... Non, non, vraiment. La seule chose que je veux, c'est réussir à retourner chez moi, et vite. Mais regarde-toi. Tu resteras toujours un pauvre et misérable voleur de mouchoirs à 4 sous. Un voleur de mouchoirs, peut-être. Mais j'ai jamais fait fusiller de pauvres gens. Tu me fais la morale, maintenant? Tu sais que je pourrais te... Oui. Oui, oui, je le sais. Je t'en prie, fiche-moi le camp. Allez, va-t'en, crétin. Qu'il sorte. Sans brutalité. Adieu. Et bon courage. Bon voyage, Zampino. Romolo! Kenazzo! Romolo! Je t'ai cherché partout, Patriote. Noir. Patriote, mais qu'est-ce que tu fais? Viens rejoindre ton chef, hein? Viens reprendre ta place dans la glorieuse armée. Être combattant, voici ton arme. La gloire nous attend. Allons bouter l'envahisseur hors de Milan. Allez, poco, allez. Poco, 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 sana vincere o morir. Poco, poco, mais où t'étais? Je t'ai cherché partout, dans tous les coins et recoins de la ville. J'ai fait toutes les rues de Milan. J'ai tourné, viré, je t'ai jamais retrouvé. Le chef voulait savoir où t'avais bien pu passer. Et vous m'avez retrouvé. Mais où est-ce qu'on va? Tu le sais, toi? Et toi? J'en sais rien du tout. Alors, qui le sait? Je sais pas. Il paraît qu'on va dans un endroit qui s'appelle Porta Tosa, parce que si nous gagnons la bataille, les Autrichiens s'en vont de Milan. À propos, pourquoi tu t'es sauvé sans rien me dire l'autre jour? Tu dormais. Ah, je dormais. Dis plutôt que tu voulais me laisser tomber. Ah, ils sont beaux, les amis. Tu t'endors, ils en profitent pour se sauver. Mais pas du tout, tête d'âne. Je devais retourner chez moi. Et toi, t'étais bien avec la veuve, il me semble. Mmh. T'es retourné chez toi, alors? Non. Et tu sais, ton copain, là, comment il s'appelait? Zampino? Ah, Zampino, ouais, je l'ai trouvé. Ah, c'est bien. Il est mort. Oh, le pauvre. Si tu savais combien je le regrette. Hé, hey, Kania, à la première occasion, il faut qu'on se sauve. On va se cacher chez la veuve. Elle est très gentille et aussi très brave. Regarde, Kania, tu vois ça? Eh ben, elle me l'a donné. C'était le costume du traître. Et puis, elle est tellement calme et affectueuse. Ah, ouais, je sais.
La prochaine fois, tu fileras pas comme ça. Non. Patriote, voulez-vous capturer un sale autrichien? Avec plaisir, citoyen. Il est caché là-bas, dans cette maison rouge. Il est avec une fille milanaise, sa maîtresse. Il faut que vous le preniez. On aura ce chacal. Faites confiance. Lui payer cher. Si vous pouvez faire doucement, ils ne s'apercevront de rien. Ils font leur cochonnerie. Tous tes chats regards, suivez-moi. En avant. Mais toi, comment tu le sais? Je les ai espionnés. La fille et ma fiancée, quelle traînée. Bravo! Alors t'es un espion? Voilà, belle Milanaise. Tu faisais l'amour avec un Autrichien, hein? Voyons s'il te plaît davantage de le faire avec un Italien. Elle a eu son compte. Laissez-la tranquille, ça ira comme ça. Allez, viens, te mêle pas de ça, Romolo. Kaina, seulement... Vous la laissez. D'accord, vous la laissez tranquille. Romolo, arrête, occupe-toi de tes affaires. Non, laisse-moi, tu entends? Fichez-lui la paix. Laissez-la partir. Oh, je te cause. T'es sourd? Fais-moi le temps. Il est mort. Mon Dieu. Kenato! Qu'est-ce qu'on va me faire? Kenato! Où est-ce qu'on m'emmène? Ne me laisse pas, Kenato, j'ai peur! Kenato! Oh.
vertu, citoyen. Tu cherches quelque chose? Non, non. Alors, pourquoi pleures-tu? C'est la fumée. C'est la fumée. Nous sommes arrivés à la filature, les autres nous attendaient. Et nous avons encerclé les Autrichiens et tous ont été tués. Après ça, on a attaqué jusqu'à Porta Tosa. Il faut dire qu'on avait un canon qu'on traînait derrière nous. Il nous en a fait voir d'ailleurs, parce qu'il était très lourd. Et là, vous savez ce qui nous est arrivé? On était seulement 9 dans notre troupe. Et à nous seuls, on a fait prisonnier plus de 20 Autrichiens. On était fous de joie. Il fallait les voir, les petits soldats avec leurs tuniques bleues. Ils faisaient plus les malins avec le canon aux fesses. On avait encore gagné une belle bataille contre l'envahisseur. Le citoyen Machine, il vient de nous raconter un glorieux épisode de notre lutte. Je vous propose maintenant d'écouter un autre témoignage intéressant, celui du citoyen et patriote Rodolli. Avance-toi, viens jusqu'ici et surtout parle sans crainte. Je suis maître charpentier, les clous, ça oui, je sais les planter. Mais parler, c'est pas mon fort. Je peux vous dire seulement qu'on en a fait voir à tous ces Autrichiens de malheur en combattant comme des damnés, même si je suis de Lombardie. Très bien, bravo. Je suis fier de vous. Ah, encore. Et toi? Qui es-tu, citoyen? Quel est ton nom? Alors? Kenazzo. Comment? Kenazzo. Bravo, Kenazzo. Parle à voix haute et bien claire. Nous voulons tous t'entendre, parle sans crainte, nous sommes tous des amis ici, crois-moi. Et toi, avec ton témoignage, tu apportes aussi ta contribution à la révolution. Alors raconte-nous ton histoire. Que dis-tu au peuple? Eh ben, je voudrais dire que... Parle, vas-y! Raconte au peuple tes exploits! Ne crains rien, on est ici pour t'écouter. Allez! Raconte! Je veux dire que... On s'est tous fait avoir. Ah oui? Oui? Ils nous ont roulés. C'est vrai, ça. Et bien roulé, ça. Ça, on peut dire qu'ils sont forts.